Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Minecraft PlayStation 4 Edition. Alors avant de lancer la partie, je voulais vous montrer ça, il y a eu une nouvelle mise à jour. Donc il y a des nouveaux objets, mais alors je crois que ça existait déjà sur PC mais pas sur PS4 du coup. Alors il y a de l'argile, alors j'ai vu qu'il y a le cheval, c'est ça qui m'intéresse surtout. Il y a aussi de nouveaux ennemis, alors attendez je relis un petit peu tout vite fait. Plaque de pression pondérée, je ne sais pas ce que ça veut dire, balise, coffre piégé. Étoile de feu d'artifice, étoile du Nether, laisse, armure pour cheval. Donc ça c'est cool. Alors il y a même des ânes et des mules. Alors après il y a des... Comment on dit? Withers, je sais pas comment on le prononce. Withers squelette, des sorcières, chauves-souris, chevaux. Alors on peut apprivoiser un cheval. Donc il y a les feux d'artifice, donner un nom aux animaux et aux monstres avec une étiquette, créer des circuits de redstone plus complexes que jamais. Ok. Donc apparemment il y a un nouveau didacticiel, mais bon, on va pas y aller. Monde de Noël. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue dans mon monde. Pour partir pour le Lender? Ou je découvre le monde de Noël? Bon, là on va partir dans mon monde habituel. Et je pense que là, dans la semaine, je referai une petite vidéo rapidement sur le monde de Noël, voir ce que ça donne. Tac, allez, on lance. Alors après, par contre, je ne sais pas s'il fallait lancer un nouveau monde pour avoir les nouveautés. Ça, ils l'ont pas précisé, mais je pense que c'est intégré d'office. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils font chez moi? Mais c'est quoi ce délire? Attendez, wow. En plus, je crois que j'ai vu un creeper derrière. Merde. Et puis, j'ai plus accès à mon toit. Fais chier. Ah, téléphone qui sonne derrière. Mais d'où il y a deux creepers, là? Putain, il n'y a pas assez de lumière. Vous me faites chier. Je vais commencer à utiliser mon arc qui doit avoir infini, normalement. Putain, de trou du cul. Cassez-vous. Barrez-vous de chez moi, là. Et toi là, dégage, vilain, casse-toi. Putain, ils m'ont saoulé là. Ah, plus 6 dégâts. Ah, ils ont rajouté plus d'informations, ça c'est cool. Parce que c'était pas très très clair. Ah, mais c'est... Ah, quoique là, il n'y a pas. Puissance. Ah, mais ça c'est très très bien. On n'avait pas cette info là, hein. Alors pourquoi j'ai autant d'ennemis là? Attendez, je peux pas partir comme ça. Je vais juste mettre des torches, hein. On verra ça plus tard si on sécurise un peu mieux avec des citrouilles pour rester dans le style. Putain. C'est la première fois que ça me fait ça là. Bon, c'est sûrement la mise à jour peut-être qui a eu un effet aussi. Du coup, moi je voulais me préparer pour partir. Mais ils m'ont fait flipper ces trous du cul là. Bon. Oui, j'avais commencé à me préparer, mais j'avais pas tout fait encore. Parce qu'on m'a conseillé de prendre un certain type de potion que je n'ai pas forcément prévu de prendre à la base. Ah, tant que j'y pense. J'avais mis mes tapis là, j'y pensais plus. Et d'ailleurs, on m'a dit... Parce que moi, je voulais mettre une espèce de nappe sur la petite table que j'ai mis vers la maison du PNJ. Que le PNJ n'utilise pas, bien sûr. C'est d'enlever la plaque. Et de mettre directement... le tapis en fait. Mais est-ce qu'il va pas être trop fin? Ah bah non. Ah bah ça rend bien, ok. Bah merci à celui qui m'a donné l'astuce. J'ai pas retenu son pseudo. Mais merci à lui. Hop, on s'enferme. Parce qu'apparemment il y a des monstres qui rôdent chez moi là. Non, les tapis c'est pas ici. Alors attendez, vous, là c'est tout ce qui est bois. On va mettre la plaque de pression. Ou de détection. Alors attendez, non, le tapis c'est là-bas. Hop, on mélange pas tous les objets, voilà. Ce qu'il y a là, c'est le niveau place, je vais être assez limité, ou alors je pars directement en diamant. J'enlève mon armure de fer. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas m'encombrer. Attendez, hop. Tu m'enlèves tout ça. Hop, on se retrouve à poil. Tac. Ouh là là. Mais non.
Je suis bête, moi. Hop. Voilà, enfile-les. Voilà. Je suis ultra protégé. Bon, on va pas utiliser l'épée en diamant pour le moment. Ouais, niveau potion, là, je suis pas bon du tout. Hein. J'ai pas fait le stock. Alors, j'ai la bouffe. Alors, on m'avait dit de prendre des potions d'invisibilité pour pas être emmerdé par les Underman. Est-ce que j'en ai au moins? Potion de faiblesse. Ah, je sais même pas comment on les fait. Enfin, si, attendez. C'est pas à base de carottes dorées? Ah bah, elles sont là, d'accord. J'ai rien dit. Alors, c'est pas des potions qui pètent. Ce qu'il y a, c'est que si je les pète sur les ennemis, je veux pas que les ennemis deviennent invisibles aussi. Quoique, s'ils m'ignorent, enfin, pff, bon allez. On se fait des potions qui pètent, hein. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Potion de soin. Potion volante de santé. On va en prendre plein. Alors, attendez. Tac. Je vais mettre ma config pour le... Quoique, je peux attendre. J'allais dire ma config pour le combat contre... L'Under Dragon. Ce qu'il y a, c'est que j'ai aucune idée de sa puissance, ni de ses patterns. Je sais pas trop ce qu'il fait. Oh là là, putain. Je le sens mal. Hein. Ça m'étonnerait que j'y arrive du premier coup. Pourtant, là, je trouve que je suis bien préparé, quand même. J'ai une belle armure en diamant et compagnie. J'ai pas mal de potions. Planche en chaîne. Ouais, si, ça peut me servir, quand même. Ah, mais efficacité, ça rajoute des dégâts. Hein. Mais ça, je savais pas. D'accord. Attendez, mais... Tranchant 3, ça donne plus 7. Et un truc comme ça, ça donne plus 6. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Les potions d'invisibilité. Ah, ça a réduit le temps, par contre. Hein. Il me semble qu'elles étaient à 8. Je pense que je vais en prendre que 2. Enfin, faut que je fasse le point, là, avec les potions. Ce qu'il faut que j'emmène en priorité... Régénération, ça il m'en faut. Il faut que je me fasse des pommes dorées aussi. Alors après, je sais pas s'il y a différents types de pommes dorées, parce qu'il y a celles qui se font avec des pépites, et celles qui se font carrément avec des lingots. Alors je sais pas trop si elles sont différentes. Résistance au feu, je prends. Ah ouais, 2 x 8 minutos, ça devrait suffire quand même. Alors c'est si long que ça, je sais pas. J'en prends 3. Ouais, mais c'est le bordel dans mes potions. Oh là là, faudra que je retrouve... Attendez, moins 0 d'attaque? C'est quoi ce délire? Ça sert à quoi alors? Vision nocturne, ça sert à rien. Poison, je suis pas sûr que ça serve. Potion de force, ouh, ça en prend. Alors est-ce que ça marche sur l'arc aussi? Je sais pas. Je vais en prendre que 2, je vais pas trop m'encombrer non plus. Potion d'invisibilité, elles sont là. Potion de santé, elles sont là. Bon, je suis plus ou moins paré là. Oh putain, j'en sais rien. Ça me fait flipper. Et je sais même pas comment on utilise les yeux, là. On les jette et ça nous... J'en sais rien. Attendez, on va essayer. Si on pouvait croiser un cheval sur la route aussi, ce serait cool. Mais ça, je m'y intéresserai plus tard, je pense, au cheval. On a quand même jeté un petit coup d'œil aux nouveautés, mais on les découvrira un petit peu plus tard. Ou éventuellement dans ma vidéo de découverte du monde de Noël. Œil de l'Under. Faut le jeter au sol, en l'air, mais je sais pas. What? What? Il est parti où? Quoi? J'ai rien compris. J'ai vu une traînée par là-bas. Mais il me semblait qu'on pouvait les récupérer, je crois. Oh là là, je suis un doué, moi. Où est parti mon œil? Putain. Dites pas que j'ai déjà perdu un œil, là. Bon, désolé, hein, je découvre. J'ai jamais fait ça. Oh, putain. Bon, apparemment c'est parti par là. Bon. Je pense que là j'ai gaspillé un œil déjà. Ouais mais... Quoi mais... Il pète au bout de 2 secondes en fait. D'accord. Bah je suis pas dans la merde. Hein. Parce que j'ai rien compris là. Ça monte cette direction là, on est bien d'accord. Hein. Ah putain, c'est... Et j'ai pas pris de potion de rapidité. Oh putain, mais je suis naze. Mais je crois que j'en avais pas en fait, hein, c'est pour ça. Oh punaise.
bon. Non, 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 allez, on va... désolé, aller-retour, on va prendre une potion de rapidité quand même. Putain, et puis faux départ, j'ai déjà gaspillé deux yeux là, oh là là. Bon, enfin, j'ai retenu plus ou moins la direction. Si c'est bien la direction, ça. J'ai... Oui. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le truc. Alors, du coup, ça vaut peut-être le coup d'emmener de la crème de... Non, de la poudre de feu. Pour me refaire des yeux au fur et à mesure. Comme ça, la nuit, je peux chasser de l'Enderman. Et m'en refaire petit à petit. Parce que là... Bon, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je suis pas sûr de mon coup. Potion de rapidité, j'en ai plus. Pourtant, je suis sûr d'en avoir fait. Ou alors, c'est qu'on pouvait les transformer en autre chose, peut-être. Mais non, je m'en suis déjà servi. Alors, pour trouver la recette... Carotte dorée, qu'est-ce que ça fait la carotte dorée? Je sais pas. Bon bah tant pis, on va faire 100. Il aurait fallu que je me prépare mieux que ça. Tant pis pour la rapidité, on fera 100. Là je veux de la poudre de feu. Voilà, on va s'en faire 6. On va pas tout passer non plus. Tac, ou la pastèque dorée, je sais plus, il y a tellement de recettes. Oh. Bon allez, on est parti. J'espère que j'ai rien oublié d'important. Ah si, oh putain. On m'avait conseillé aussi de prendre... Ah, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. La pierre de Neverac, je crois. Hop. Qui permet de blesser le dragon avec le feu. Mais bon, je vais pas faire avec. Hop, de toute façon, je sais même pas si je devais en avoir sûrement. Si, si. Mais bon, tant pis. Je pars un peu comme ça, on va tenter. Hein. Alors le problème, c'est que si je crève, j'ai plus de diamants après. Il m'en reste un ou deux, je crois. Oh. Galère, galère. Alors cet œil à la noix, là. J'ai pas trop compris comment ça marche. Hein. Je réessaye un coup. Quoi, mais... Il m'a rien montré, là, l'œil. Il m'a montré par là, c'est ça? Et d'où je me fais mal, allez, tu sautes 3 blocs, il se casse une jambe, tout va bien. Ah oh, purée. Moi j'ai compris que c'est par là. Hein. Mais c'est pas très très clair. Hop. Donc on va faire pas mal de pas avant d'en relancer un nouveau. Tac tac. Bon l'avantage c'est que la journée il n'y a pas de monstre. Mais là, du coup, ça aurait été cool d'avoir un cheval, peut-être. Hop. Comme ça. Hop, hop. J'aurais pu courir plus vite, parce qu'en général, un cheval, ça se maîtrise assez bien quand on l'a dressé. Donc je pense que c'est un peu plus pratique que les cochons. Parce que monter un cochon, c'est plutôt une blague qu'une vraie monture, quoi. Alors, on va pas se laisser affamer. Hop, on sait jamais si on tombe sur des ennemis ou quoi. Soit pas dans le caca. Il est où? Merde. Pas de blague. Hein. Donc c'est par là? Attendez, mais... Attendez, me dites pas que c'est là-dessous. Ah, quoique... Je l'ai déjà trouvé? Ah bah écoutez... Apparemment, faut creuser. Hein. Bon, bah, ça aurait été moins pénible que ce que je pensais. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas très malin de creuser sous nos pieds. En plus, c'est du sable partout, là. Bon. On va creuser petit à petit, comme ça, en faisant un sur deux, peut-être. Ah, on tombe sur autre chose, là. Hop. Pioche. Ouh, ça a pas l'air d'être très profond. Bon, je vais prendre un petit peu de dégâts. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'aurais peut-être dû faire une protection autour. Parce qu'un jour, si je repasse par là et que je vois pas le trou, je risque de me tuer. Bon, c'est pas grave. Bon, là, je peux tomber, là. Oui, voilà. Alors, attendez. On va d'abord éclairer les lieux. On va quand même en profiter pour miner. Parce qu'écoutez, du charbon 1,
Je les passe au fur et à mesure dans mes fours. Donc faut bien que j'en récupère. Hein. Putain, allez! Merci. Le fer aussi. Hein. D'ailleurs, j'aime pas du tout l'apparence du fer là dans ce pack. Je trouve ça un peu bizarre. Hop. Du gravier, c'est super, j'adore ça. Alors attendez. Donc là, ça veut dire que c'est là à ce niveau ou c'est vraiment tout en bas, faut que je creuse sous mes pieds. Je sais pas, on va relancer un œil. Ouh là là. Parce que ça se trouve, c'était juste pour m'indiquer qu'il y avait une entrée. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut aller pile poil en dessous, je sais pas. On va ramasser un peu de charbon. Tac. Hop, un petit peu beaucoup. Ça fera pas de mal. En plus, ça me donne des niveaux. Hop. On va quand même éclairer ici, qu'on se fasse pas attaquer. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est vachement petit. J'ai peur que il n'y ait pas la place hein, pour qu'il nous indique bien la direction. Non, mais ça a l'air d'être là en dessous, non? Moi, c'est ce que je comprends hein, en voyant ça. Bah écoutez, on va essayer de creuser tout en bas. Là, je suis en train de cumuler des blocs, là. J'en veux pas de nouveaux blocs. Ça, j'en veux pas. Du sable. Si on peut ramener du sable, ça fera pas de mal non plus. Parce qu'il faudrait que je me refasse des fioles, du coup. Vu que j'ai fait pas mal de potions volantes. Hop. Voilà, on va creuser petit à petit. Hop. Hop. Non, faut pas creuser sous les pieds, on sait jamais. Oh, du gravier. C'est super ça. Voilà, on va se faire une espèce d'escalier comme ça. On n'oublie pas d'éclairer. Hop. Hop. Tac, tac, on fait quelque chose de propre. Comme ça fera un joli chemin. Tac, tac. Oh, de la terre. Pelle. Tac, pioche. Faut alterner. Tac, tac. Ouh, ça commence à être bien sombre là. J'espère que je fais pas une bêtise. Hein. Oh, du fer. Bon, au moins on sera pas venu pour rien. Tac. Tac. Est-ce qu'il y en a un peu plus? Non. Allez, on continue de descendre. Hop. Suis pas sûr de faire le bon truc. J'espère qu'on va tomber sur une caverne assez vite quand même. Fasse pas ça longtemps là pour rien. Hop, bon, en tout cas là on descend. Parce que ça se trouve, là je suis passé à côté déjà. Là. Oh là là. Mais là on est tellement collé que si je lance l'œil on verra pas où il va. J'en sais rien, on est à quelle épaisseur? Ah, on est à 37, on est encore bien haut. Hein. Parce qu'attendez, c'est bien 37 hein, l'épaisseur. Oui, c'est ça. Bon, on va descendre. Tant qu'on n'est pas arrivé tout en bas, de toute façon, on descend. Hop. Hop. Tac, on va remettre un peu de lumière. Tac. Pourquoi ils l'ont foutu aussi bas là, sérieux? Et on retourne sur du gravier, allez. C'est pénible ça. J'aime pas le gravier, même si ça donne du silex. Ce qui peut permettre de faire des flèches, bien sûr. Hop. Est-ce que j'essaye de jeter un œil là? Parce que des yeux, j'en ai pas mal. Hein. Je peux me permettre de les utiliser. Ouh, ouh, on arrive sur une structure. Ah, c'est bon ça. Enfin, je sais pas. La pierre moussue. Ah oui, on arrive sur quelque chose là. Il est là. Il y a une porte. Il y a un bouton. Est-ce qu'il y a des pièges?
J'en sais rien. Attendez, on met bien des torches pour être tranquille. Attendez, le portail... Il serait de quel côté? Là, derrière la porte ou en bas des escaliers? Non, là, y a rien. C'est ça? Attendez, ouais, y a un piège là, non? Je sens la carotte, je sais pas, c'est bizarre. Ça m'inspire pas confiance du tout, ça. Bon, du coup, j'ai pris la poudre de feu pour rien. Qu'est-ce qu'on va acheter? Je crois qu'on va acheter la pierre. Non. On va acheter la terre. Hop. Moi, je sens la grosse carotte, là. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Est-ce que je vais pouvoir ressortir après? Oui, de toute façon, j'ai une pioche. Bon, vous savez quoi? On va pas prendre le chemin qui nous indique. On va faire le tour. Y'a pas de piège? Attention, hein. Ça se trouve, y'a de la... TNT. Elle réagit bizarrement à la pierre, là, non? Regardez, normalement, ça pète tout de suite. Non? Je sais pas, j'ai pas confiance. Putain, j'aurais dû prendre un lit, là, je me serais posé. Non, je vous jure, j'ai peur de rentrer, là. Y'a pas de la TNT en dessous, là? Putain. Non, y'a pas l'air d'avoir de plaque de détection ni de pression. Mais alors, c'était quoi cette pierre bizarre, là, qui résiste? C'est juste un coffre, d'accord. Attendez, on va jeter un œil, on va voir de quel côté c'est, s'il faut creuser par là ou si c'est en face. Enfin, je sais pas, moi ça m'a pas paru bizarre là, comment c'était foutu. Ça se trouve c'est normal, hein, c'est tout le temps comme ça. Il est parti où? Remboursé! J'ai pas vu où il est parti, oh. Mais qu'est-ce qu'il me fait cet œil? Je vois pas où il va. C'est d'arnaque, hein. Mais... Putain, bon, j'ai l'impression qu'il va par là, mais je suis pas sûr. Hein. Putain. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit. Et là-bas en face, on a quoi? Pourquoi ils ont mis des portes? Mais... Oh, vous me saoulez, allez. Voilà. Putain, je suis pas à l'aise du tout, là. Et pourquoi il y a du bois? On est où, là? Et puis j'ai peur qu'il y ait de la TNT quelque part, que ça nous pète à la tronche. Une porte avec de l'eau, c'est quoi, ça? Et où est-ce qu'on est, là? Oh, on est dans des égouts. Ah, ça se trouve, on est sous un village, hein. Mais non, il y avait pas de village, là où j'étais. Ah, dommage, j'ai pas de place. Sinon, j'aurais bien emmené les barreaux en fer. C'est assez coûteux à faire. Ouais, l'endroit est bizarre. Hein. J'ai pas l'habitude de tomber là-dessus. Bon, d'accord, y'a rien du tout. Parce que finalement, j'ai vu assez peu de structures. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Un coffre. Ouais. Des coffres vides, mais... Ouais, ça m'énerve. Je sais pas ce que je suis censé trouver, des coffres vides, mais ça sert à rien. Et là, y a un truc planqué ou... Comment ça marche? Non, y a rien. D'accord. Bon. On va repartir par là. J'ai l'impression que l'œil partait par ici, mais je suis pas sûr du tout, hein, parce qu'on n'avait pas vraiment le temps de le voir bouger. Non, faut remonter ou descendre? Oh putain! C'est ça, il y a des trucs chelous, c'est bien ce qui me semblait. Putain, c'est quoi ces machins là? Ouais, quand les murs sont bizarres, c'est qu'il y a des trucs, hein. Putain, vous me saoulez là, ça me stresse. Bah... Eh, j'ai limite envie d'arrêter, de prendre vos conseils et de continuer plus tard, parce que là... Oh, non, on va continuer un peu plus. Putain. Ah, ça m'énerve. Je suis tendu, je sais pas où je vais, je sais pas si je fais ce qu'il faut. Ah.
Encore une porte. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce endroit là? Ça ressemble à rien. Là, il y a de la lave. C'est super la lave. Il y a des chauves-souris. Première chauve-souris. Je sais pas si c'est méchant. Ah, Dorica, elle m'attaque pas. Si? Alors, je sais pas si elle donne du loot. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Attendez, on va essayer de descendre par le chemin, entre guillemets. Ah, elles ont pas l'air agressives, hein, les chauves-souris. On va les laisser tranquilles. Alors, attendez, je venais de par là. Oh! Mes yeux. Mes yeux sont revenus. Eh, mais ouais, je comprends rien à l'endroit où je suis, c'est génial. Je pensais pas que ça allait être aussi bien bâti en fait. Je pensais que c'était à l'arrache. Attendez, si je jette un œil là, il se passe quoi? Mais je te vois pas partir, mais... Ils sont sérieux? C'est là-dessous? Et pourquoi ils peuvent pas faire un passage normal là? Je suis obligé de creuser. Je tourne en rond là, non? J'étais pas là il y a 2 secondes? Oh là là. Ah là 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 là. Pourquoi je cumule des pierres comme ça? Moi j'en veux pas. J'en ai plein chez moi. Mais là il tourne en rond là. C'est quoi cette blague? Chauve-souris. Je vais voir si elle donne du loot. Oh putain. Non, on peut pas les tuer? Ah si. Oh. Non, je veux pas les tuer. Elles sont gentilles. Alors attendez, oh punaise, ça m'énerve. J'ai envie d'aller voir la structure que j'ai vue là-bas. On cherchera le portail un peu plus tard. C'est juste un squelette. Donc c'était par là. Alors il y a de l'eau, donc... Attendez, ça prend feu. Wow. Là normalement je peux sauter sans me faire mal. Hein. Oh ya. Ok, ça c'est fait. Pourquoi il y a du feu? Putain, dommage, j'ai pas de place. Oh putain. Casse-toi le feu là. J'arrive pas à casser le feu du haut. Ah, tous les bouquins que j'aurais pu ramener là. Oh là là. Enfin, tous les bouquins. Si, bah oui, c'est des bouquins. C'est plus des bibliothèques une fois qu'on les pète. De la redstone. Je suis dans quoi là? J'ai une toile encore. Mais je suis pas dans une toile. C'est l'eau qui me ralentit autant. Oh. Ah ouais, non, mais ça a cramé hein, complètement. Éteins-moi ce putain de feu. Ah, je suis coincé encore dans un truc là. Je comprends pas pourquoi ça a pris feu en fait. Et j'arrive pas à éteindre ce feu là. Bah voilà, ça a cramé. Bon, bah je sais pas, il y a une bibliothèque géante. Et comment je remonte moi maintenant? Alors attendez, on va rejeter un œil. Ouais, l'œil c'est par là-bas. Hein. Oui, il faut bien que je retourne là où j'étais. La pile azulée, on s'en fout. Alors je suis venu par là-haut, je crois. Hop, voilà, ces bloqueurs ont servi à quelque chose. Hein. C'est là? Oula, j'étais pas aussi haut. Je crois que j'ai loupé la sortie. Hein. On va redescendre un petit peu. C'est pas là-bas en face là? Si, c'est ça. Alors attendez. On ne prend pas de risque. Pose-le ton bloc, non, tu veux pas? Hop. Voilà. Ok, bon. Attendez. Merde, aïe. Non, non, j'étais pas... C'était pas là. Oulala, ça y est, je suis perdu. Non, j'étais pas passé à côté de la lave comme ça. Non. Attendez, faut que je retrouve la structure où j'étais. Non, c'était pas ça. Non, pas du tout.
par là, je crois. Ok. Alors c'est d'ici là, j'ai pas compris où par les yeux là. Il est parti où? Il est parti là? C'est derrière ce mur? Oh, une porte cachée. Pas de piège là. Putain, c'est quoi ça? Allez, on pète. Attends, c'est un... C'était des ennemis au moins, je sais même pas. Et tous les coffres sont vides, c'est nul ça. Comment ça se fait? Je comprends pas. Mais attendez, mais... Mais je tourne en rond là. D'accord, je suis revenu... D'accord. Oh là là, en fait j'ai rien trouvé du tout. Hein. Attendez. Ben, j'ai l'impression que ça venait de là. Et puis j'en ai qu'une deuxième pioche, je suis même pas sûr que ça suffise. Oh là là. Bah. C'est en bas. Mais creuse pas sous tes pieds, s'il te plaît. Oh putain, je comprends que dalle. Hein. Mais non, pas sous tes pieds, je t'ai dit, patate. Ouais, de la lave, allez, merci. Hop. Oh putain. Ouh, heureusement j'ai pris un seau d'eau. Alors attendez. Hop ça. Tu gertes. Oh le sable, on en a rien à caguer là. J'en ai vers chez moi. Seau d'eau on a dit. Hop. Tac, allez, par au loin. Hop. Rien de quel côté ça part. Bon là l'avantage c'est que c'est une grande salle. Donc on verra de quel côté part l'œil. Attendez, on va mettre de la lumière quand même. Vu qu'on a tout éteint là. Vas-y montre-nous la voie. Quoi, faut retourner en haut mais... J'en viens mais... Je comprends pas. C'est quoi ça? Il y a des cochons maintenant? Mais j'en viens de là-haut, je comprends pas. Non mais alors là j'ai un souci, hein, je... Ah putain j'arrive pas... Mais qu'est-ce qu'il fait là cet œil? Bah pourquoi ça me ramène là mais... J'ai du mal à comprendre le fonctionnement du truc. Un coup ça me dit d'aller vers le bas, un coup pas du tout. Non mais là il y aura rien du tout. Attendez. Voilà, là, maintenant je suis là, je fais quoi? Par là? Bah non mais... Je ne comprends pas. Parce que quand je vais en dessous, ça me redit de revenir en haut là. Regardez. Hop. Ça me ramène en haut au même endroit. Ah non, ça m'a ramené là. Quoi, il est derrière ce mur, là? Ou alors au fond? Oh, j'en sais rien. Allez, dépêche-toi. Je ne comprends pas tout. Non, Redstone, on n'en veut pas. Oh putain, mais tu m'as fait peur en douille. Putain, n'importe quoi. D'avoir peur d'un squelette, non mais... Putain, j'en sais rien, je comprends rien à ces yeux-là. Mais il monte ou pas? Je me rends pas compte, en fait. Putain, parce que là, je suis en train de les péter les yeux, là. Voilà, j'ai presque plus de pioche non plus. Bah écoutez, l'œil il m'indique rien. Il se pète, allez, c'est la fête. Ou alors c'est que je suis vraiment très très proche. Je vais pas non plus ratisser toute la caverne, hein.
Sinon, je vais pas avoir assez de pioches. Je sais pas, là, j'avais pas l'impression qu'il m'indiquait vraiment une direction. Oh, de l'or. Bah ouais, mais j'ai pas de place. J'ai pris 36 000 potions, là. Bon, on va aller voir au bout de ce côté. Putain, je pensais pas que ça allait être aussi chiant. Enfin, je pensais que j'allais devoir marcher beaucoup plus à la surface, en fait. Et qu'après, une fois que j'avais trouvé l'endroit, ça allait être très facile. Mais je tourne en rond, là, je repars sur une autre zone qu'on a déjà explorée. Mais c'est quoi ce délire? Où est ce foutu portail? Là-dedans? Mais ça a pas l'air, hein. Et maintenant, ça montre en haut. Non, mais... T'es sérieux? Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que là, je comprends pas trop le fonctionnement. Je vais attendre vos retours pour progresser parce que là, j'y arrive pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Parce que là, à ce rythme-là, les yeux, je vais pas en avoir assez, hein. À un moment, il s'arrêtait là, là. Pile poil ici. Là, pourquoi il est parti en haut? Le portail, il bouge pas quand même. Bah, regarde. Oh putain. Alors, pourquoi tout à l'heure il est parti là-haut? Ah, ça m'agace. Si on lui pète l'accès, est-ce que là il va? Je sais pas. Oh, je sais pas. Oh, ça m'énerve. Ouh! Non, c'est encore un truc qu'on a déjà découvert. Super. Bon, bah. Oh, je sais pas. C'est par là que je suis arrivé en plus, non? Mais oui. Eh ben, je comprends pas. Bah, je m'arrête là. Et si vous avez une astuce pour vraiment bien trouver efficacement le portail, parce que là, j'ai l'impression que ça tourne en rond. J'arrive pas à avoir une direction bien précise. Alors attendez, là-dedans, qu'est-ce que ça donne? D'accord. J'ai pas vu où t'es parti. Rends-moi mon œil, toi. T'es parti où? Il y a la noix là, il s'est pété. Putain, j'ai plus que 6 yeux là. Oh là là, parce qu'il faut compléter le portail, hein, ça je le sais. Putain, je suis en train de gaspiller mes yeux là. Bon bah voilà. C'est génial. Je suis pas sûr de pouvoir activer le portail tout de suite, hein. Ouh, bonjour monsieur. Ah, quoique, bah, s'il y a lui. Ça veut pas dire qu'on est proche du portail? Il s'est téléporté, il veut pas revenir. Et regardez par là. Putain, il est où? Je suis sûr qu'on est juste à côté en fait. C'est juste que. Je sais pas. Il doit manquer un petit truc là. Oh, fais chier. J'arrive pas à savoir d'où vient le son là. On est à côté, hein. Ça, c'est sûr. Ah. Non, on retombe sur un truc déjà. Oh! Un nain! Qu'est-ce que c'est que ça? Des bébés nains, c'est quoi ce truc? Enfin, des bébés nains, des zombies nains. Qui donnent pas d'expérience, d'accord. Mais non, mais je tourne en rond. Mais d'où vous sortez, vous là? Putain, dégage. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais hey, je. Oui, ouais. J'aurais dû emmener de la TNT, faire tout péter. Quoi? Ouais, tu m'agresses quand je te vois plus, allez, saloperie. Là, je vais vouloir manger, il va m'agresser. Non! Oh, mais non! J'ai gaspillé une potion! Ah, dans la précipitation. Oh, tu me saoules, toi. Vas-y, viens, viens. Bâtard. Tu m'as donné un œil, oui. Alors, attendez. La salle. On va se mettre. Voilà. La salle principale, entre guillemets, on va dire que c'est ça. Quoique, j'ai pas besoin de table de craft, hein. Non, 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 regardez. Hop, un œil de plus. Ok. Bon. Pour l'instant, je vais pas ressortir les potions. Ce serait dommage d'en gaspiller plus. Alors attendez. On va se refaire quelques torches et je vais m'arrêter là pour tout de suite parce que là, je.
J'arrive pas à trouver efficacement ce que je veux, ça m'énerve. J'ai peur de faire du caca là. Parce qu'un coup ça monte là, un coup ça part en haut, un coup ça part en bas. C'est n'importe quoi. Donc je m'arrête là. J'espère avoir une bonne astuce pour trouver efficacement le portail. Donc je vous dis ben merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut !